fermée pour cause de pandémie et malgré les incertitudes liées au contexte sanitaire pour sa réouverture, les prochaines expositions programmées à la Villa du Parc sont en cours de montage. Dans les salles, l'artiste René Lévy a investi l'espace pour concevoir un projet s'appuyant sur les variations de la lumière naturelle et artificielle du lieu. Les toiles exposées trouvent ainsi des prolongements visuels. Entre la toile et le mur, la ligne devient une lettre pour construire un langage pictural propre à l'artiste. Cette perception vient comment je mets les toiles, comment j'ai fait les murales. Les murales sont partie de la peinture. Parce que ces perceptions, ils ne regardent pas c'est quoi une prise électronique ou ces perceptions, on voit à tous, le son, tous, tout c'est là. Et moi, je donne mes signes. La peinture, les gestes, les petits, très simples signes que tout le monde le connaît, tout le monde peut le faire soi-même. Cette simplicité a aussi la possibilité d'engager, que le spectateur devient actif. J'aimerais bien qu'on ait une énergie quand on sort. À la Villa du Parc, certaines de ses toiles appartenant à son passé sont revisitées et subissent des métamorphoses par des aplats, synthétisant ainsi ses nouvelles recherches expressives. La couleur est là parce que je trouve très important. Je trouve important ce équilibrité entre les choses qui sont éphémères et les choses qui sont là, qui sont faites, qui ont une stabilité, une statique même. Et ils sont ici, ils sont dans l'espace, ils sont comme des murs dans l'espace. Et tout est clair, on voit. Aimée est le titre de cette exposition, un prénom féminin qui souligne un souvenir, celui d'Aimée Stittelmann. Résistante genevoise, elle a pendant la Seconde Guerre mondiale aidé des enfants juifs à passer illégalement la frontière depuis Annemasse pour se réfugier en Suisse. Condamnée à l'époque par les autorités helvétiques, elle ne fut réhabilitée qu'en 2004. Chaque toile porte également un prénom féminin pour ne pas oublier toutes les artistes trop souvent négligées. À la Villa du Parc, de René à Aimée, la voyelle inclusive se peint et se revendique.